sur les dernières années, il faut préciser la période. Disons depuis la crise de 2008, il y a eu d'abord une période de hausse des inégalités jusqu'en 2012, puis ensuite un recul de ces inégalités qui on est revenu à peu près en 2014, on est revenu au niveau de 2008. Elles tiennent en premier lieu aux évolutions en haut de la distribution d'une part, c'est-à-dire chez les ménages les plus aisés qui ont vu leur revenu d'activité indépendante en particulier, ou les hauts salaires, ou les revenus financiers particulièrement dynamique pendant la première période, et puis ensuite à partir de 2012 ce dynamisme s'est inversé, il y a eu un recul notamment des revenus financiers avec aussi un certain nombre de mesures fiscales qui sont rentrées en jeu à partir de 2013. Les inégalités de patrimoine sont très supérieures aux inégalités de niveau de vie. Entre les 10% les plus riches et les plus aisés en termes de niveau de vie et les 10% les plus modestes, le rapport est de 1 à 3,5. Il est de 1 à 130 quand s'agissant du patrimoine. De façon globale, les évolutions d'inégalités de patrimoine sont sont modérées. Au cours des années 2000, un certain type d'inégalité opposant les ménages, les détenteurs, propriétaires de leur résidence principale qui ont pu bénéficier de la hausse des prix de l'immobilier est apparu et les a finalement mis dans une position relative bien meilleure que les ménages qui n'étaient pas propriétaires d'immobilier à ce moment-là. Sinon, de façon globale, entre la fin des années 90 et 2015, les indicateurs d'inégalité que nous mesurons ne signalent pas des modifications très spectaculaires. La France se situe en termes d'inégalité de niveau de vie dans la moyenne européenne. Elle est un peu plus égalitaire que des pays comme le Royaume-Uni. Elle est moins que les pays de Scandinave. Au niveau mondial, elle est évidemment sensiblement plus égalitaire que des pays comme les États-Unis. Pour le reste, en termes de mobilité sociale, c'est un pays qui relève un peu du même diagnostic. C'est un pays dans lequel les inégalités initiales et les situations au départ sont assez stables. Il y a une tendance relativement comparable à ce qu'on observe dans d'autres pays comme l'Italie ou comme l'Allemagne, à la reproduction des positions du père par le fils. En termes d'évolution pour une personne donnée sur quelques années de son niveau de vie, c'est aussi relativement stable. Au bout de quelques années, la plupart des personnes se sont relativement peu éloignées du niveau de vie d'un niveau de vie moyen qu'on peut calculer sur la période.